Tous les jours, on va principalement faire des soins, donc des soins du visage, des soins du corps, mais aussi on est assez polyvalente puisque on va faire de la réception, de l'accueil téléphonique. Ici, nous allons pratiquer principalement des massages du corps, bien-être, et aussi de l'hydrothérapie. C'est le principe du coup de la cure thermale. Ici, nous proposons plusieurs packs de soins, comme les packs de soins bien-être, avec les séjours de 3 jours ou de 5 jours. Ils peuvent être en complément d'une cure thermale ou en bien-être, c'est-à-dire les personnes viennent uniquement au spa pendant cette période. On a deux packs bien distincts avec le pack lâcher prise. Là, comme son nom l'indique, le but, c'est de lâcher, de se sentir mieux et surtout de s'apporter beaucoup de confort. Dans ce quotidien qui est souvent intense, ça permet de faire une pause. Nous, notre but, c'est de leur apporter du bien-être, de la cohérence entre leur corps et leur esprit. Ils vont aussi avoir accès à l'espace aquatique. Ça, cet espace aquatique est ouvert tous les après-midi, dans lequel les personnes vont pouvoir aller au sauna, au hammam, à la piscine, et aussi à cette formidable douche sensorielle. Nous leur proposons même des cours d'aquagym. Ensuite, on leur propose aussi tous les jours un massage de 50 minutes. Ces soins sont personnalisés. On leur propose bien sûr des packs avec des soins plus ou moins imposés, car nous avons toujours cette phase de bienvenue où on discute avec nos clients pour adapter au mieux leur séjour avec nous. Et bien sûr, dans notre métier, le plus important, c'est d'avoir une formation de massage, ce que l'on a toutes, en plus de nos diplômes d'esthétique. Ce que l'on apprécie dans notre travail, c'est accompagner nos clients dans cette quête du mieux-être. Élargir cette zone de confort qui va pouvoir les aider au quotidien, leur donner des petites astuces simples, mais qui vont les aider à apprivoiser chaque jour. Les qualités nécessaires pour moi, ce sera l'écoute, la bienveillance, l'empathie, et puis je pense le sourire, avoir une oreille attentive,